We had a pretty good time until, I think, in August. September of 1942, 43, the Italian government capitulated. This was your life, being chased, being gone through all these problems, that was it. That was your fate. Comme a toujours dit mon père, la guerre, on me l'a imposée. Mais il y a plusieurs façons de faire la guerre. On peut la faire humainement. Ici, un millier de Juifs, hommes, femmes, enfants, vieillards, aidés par les organisations juives, protégés par l'armée italienne d'occupation, ont connu un répit jusqu'au 8 septembre 1943, jour où s'est déchaînée la haine raciale de l'occupant allemand. Curieuse situation, une armée d'occupation qui protège des gens persécutés dans le pays qu'elle occupe. Quindi la domanda sorge spontanea, si tratta di una protezione, si tratta di salvataggio umanitario degli ebrei o si tratta di una politica di natura diversa? Juin 1940, alors que la victoire allemande sur la France est déjà assurée, l'Italie déclare à son tour la guerre à la France. À l'issue de 4 jours de combat, les Italiens occupent la ville de Menton, en partie détruite, ainsi qu'une fine bande de terre le long de la frontière alpine. La belle città méditerranéa ritorna all'Italia. Mussolini and Hitler met on the 18th of June, 1940. Mussolini said, rubbing his hands, we're going to take Nice, we're going to take Savoy, we're going to take Corsica. And Hitler said, no, no, not so fast. That would simply provoke the exile of the French government to Algiers or to London, and then we'd have to keep fighting them. But if we're smart, and Hitler was capable, still capable at that point of making intelligent political calculations. If we're smart, we'll give them a certain amount of leeway. We'll make it look as though the armistice is worth their while, and we won't have to work so hard to occupy them. L'armistice crée une zone nord occupée par les Allemands et une zone sud sous contrôle du gouvernement de Vichy avec à sa tête le maréchal Pétain. Vichy conserve aussi, en partie, le contrôle de l'administration et de la police dans la zone nord. There's a very widespread view that France was under the boot of the Nazis and that everything that happened in France from between 1940 and 1944 was the result of German pressure. The Germans had the power, the Germans did whatever they wanted. And that was quite true in 1944. In 1940, Vichy had some leeway. Vichy had its own anti-Jewish program. Pour les Juifs, les discriminations et persécutions vont commencer aussi bien en zone nord qu'en zone sud. Les déportations débutent en mars 1942. Les Juifs qui vivent en France en 1940 sont pour une grande partie établis depuis des générations. Les autres sont des réfugiés récents qui ont fui l'antisémitisme de l'Europe de l'Est, la montée du nazisme en Allemagne, et les premières victoires allemandes en Europe de l'Ouest. Des réfugiés dont certains ont déjà fui un ou plusieurs pays avant d'arriver en France. Début novembre 1942, changement de scénario. Les Alliés débarquent en Afrique du Nord, jusque-là sous contrôle de Vichy et des pays de l'Axe. Pour prévenir une invasion alliée, l'Allemagne et l'Italie occupent le sud de la France, où l'administration de Vichy se maintient malgré les forces d'occupation.
Quelques 140 000 soldats et officiers italiens occupent une dizaine de départements, une zone allant de Grenoble à Bandol, incluant les Alpes-Maritimes, Nice, la Côte d'Azur et Monaco. La Corse est occupée par environ 75 000 militaires italiens, soit à peu près un soldat pour trois habitants. Au moment où la 4e armée occupe la Provence, la Corse et les Alpes du sud et même du nord, il y a des Juifs en Italie qui sont discriminés, sinon persécutés. En septembre 1937, Mussolini fait un voyage en Allemagne. Et ce voyage, à mon avis, joue un rôle décisif dans l'élaboration de la décision de l'antisémitisme d'État. Il revient très impressionné. Moins d'un an plus tard, le 8 août 1938, la propagande fasciste lance un bimensuel raciste et antisémite, La défense de la race. De septembre à novembre, les lois raciales sont adoptées. Lorsque sont adoptées ces lois raciales, qui sont des lois, donc ces lois anti-juives, parce que c'est essentiellement de cela qu'il s'agit, ce sont des lois d'exclusion qui vont très loin, qui sont extrêmement sévères et qui visent véritablement, c'est d'ailleurs l'un des slogans de la propagande, à séparer les juifs du restant de la population. Quando dalla sera alla mattina si perse il lavoro, non si poteva più andare a scuola, immediatamente si fu avvenne una sorta di passaggio a una categoria inferiore, insomma. Si era più cittadini come gli altri, ma si apparteneva a una sorta di categoria, una serie B, insomma. Si era soggetti di storia, non più protagonisti di storia. En revanche, il n'y a pas de la part du régime de volonté de susciter des phénomènes de violence physique, de pogrom. Paradoxe, les milliers de juifs qui trouvent refuge en France, dans la zone italienne, ne vont pas subir les lois raciales italiennes. Fait unique, cette période d'une dizaine de mois sera le seul moment dans toute la guerre où les juifs vivront sans être inquiétés dans un pays occupé. Grâce à la volonté italienne, ils ne seront pas livrés aux nazis, malgré les pressions de l'administration de Vichy et des Allemands. Ces documents, comme tant d'autres, en témoignent. Si les Italiens maintenant prennent la défense de tous les Juifs de nationalité étrangère, la continuation d'une politique anti-juive dans notre sens est impossible. Signé Dr. Knorren, SS Standartenführer. À partir de l'occupation italienne, et surtout à partir du mois de mars 1943, quand on est assuré que dans la zone occupée par les Italiens, on ne sera pas remis aux Allemands, il y a un afflux qui se produit. C'est-à-dire qu'il y a une partie des Juifs de Marseille, qui eux sont occupés par les Allemands, qui vont franchir là, ce qu'on appelle la ligne de démarcation, c'est-à-dire Bandol, sur la côte, la frontière entre les Bouches-du-Rhône et le Var, pour venir s'installer dans les Alpes-Maritimes, et en particulier dans la région de Nice. Ce qui fait que, très rapidement, la communauté juive va grimper jusqu'à 20 000 en avril-mai 1943 et 22 000 en juin 1943. Bon, ensuite, ça sera encore plus. We heard at that time that the Jews were safe in the Italian occupied zone, and my mother and I traveled by train to Nice, where we contacted the Jewish committee at Boulevard du Bouchage, and they provided us with documents saying that we had to report to a forced residence in Saint-Martin-Vésubie sometime in April 1943. We no longer had to be afraid to be arrested by the French police. We arrived in Saint-Martin-Vésubie, where there were many, many Jews standing, and these people were talking all kinds of languages, German, Polish, Yiddish. And nobody had to be afraid of the French police, which were really standing at the square, but they were just looking and they couldn't touch us.
French police was there, and we had fun with them because they had the gun bags. They had a gun bag, but no gun in there. What they put in was the mégot, you know, cigarettes. What the Jewish people got from the Italian were smoking. They were ramassés de mégots in French. They say they were picking up the stubs from the cigarettes that the Jews were throwing away and rolling their own cigarette when they have enough stubs. And they couldn't touch us. They could not ask us for paper. So twice a day, we had to report to the Italian authorities. I had number 428, and I had to give my number in Italian, 428. But that was really for our protection. We didn't mind to have to report to the Italians. Saint-Martin-du-Jubilé a environ 1500 habitants. Avec l'arrivée des Israélites, nous nous sommes trouvés près de 3000 ici tout d'un coup. Ils étaient plus nombreux que nous, hein. Ils étaient plus nombreux que nous. On se demandait là, on se demandait pourquoi. Puis après, on a appris que c'était parce que ils étaient chassés d'ailleurs, de l'Allemagne, de plusieurs endroits en France. Alors ils s'étaient réfugiés ici parce qu'avec les Italiens, ils s'entendaient mieux que. Mais moi, pour moi, les Juifs à Saint-Martin n'ont pas été malheureux. Hein. Ça, je. Non, tout le monde a. Non. Non, on était bien avec eux. Hein. Moi, je sais qu'à un moment donné, avec une centaine d'Israélites, ça allait s'amuser où il y a le terrain de foot maintenant. Et là, on jouait comme des fous. We organized a little boxing club. We had a man there called Charlie. He was a professional boxer at the time. Charlie Moret, qui était apprenti boulanger chez mon père. Mon père était boulanger, et il travaillait chez mon père. Il s'occupait de tous les jeunes juifs d'ici, il leur faisait faire de la boxe sur les balles de farine. C'était assez extraordinaire. On avait invité les officiers italiens, on les avait invités. On était nombreux d'ailleurs, et on a fait une série de combats. Ah, Charlie Moret, il nous faisait nager, il nous faisait faire de la boxe, il nous occupait aussi. It was really fun. Ceux qui étaient riches, ils habitaient les belles villas aux alentours. Et les autres, ils étaient dans le village, dans des appartements. On avait une partie de la communauté qui était totalement démunie d'argent. Ils n'avaient aucune ressource matérielle. Il existait le joint qui, de Suisse, envoyait des fonds pour permettre à ces gens de pouvoir vivre à peu près normalement. Le joint est une organisation juive américaine d'entraide créée en 1914 qui aide les juifs d'Europe depuis la montée du nazisme. Everybody could live and eat. There was enough food for everybody. La montée des prix, bon, ça a été quelque chose qui était obligatoire, puisque le ravitaillement était difficile. Though everything was rationed, peasants always had extra potatoes. We didn't drink too much wine. Wine you got almost without tickets, because you cannot leave a Frenchman without wine. And so we changed our wine for potatoes, or for some eggs, or for some butter. We were not hungry. Vous avez tous les paysans qui étaient par là ont vendu leurs pommes de terre. Le double du prix que de la norme. Alors il y avait des gens qui râlaient, d'autres qui étaient contents. In the evening, we were sitting on the grass and we were singing. We learned Italian songs and my sister was singing. Gira, vi gira, biondina, l'amore, la vita, cotera, si fa. On n'était pas en occupation, voilà. On avait l'impression de ne pas l'être. Well, you were happy to be there. It was a welcome change from the months or years of being chased to be in a place where you felt safe. You didn't know when it would end, but you really didn't give it any thought. You live day by day. Quindi era ovvio che queste popolazioni che percepiscono queste residence assignées come un'oasi fossero alla fine ben contente di rimanerci.
E d'altra parte è chiaro che con il minimo sforzo le autorità militari italiane, che avevano altre cose ben più gravi a cui, ben più urgenti a cui pensare, concentrassero i loro sforzi sulla preoccupazione principale, che era combattere il nemico. J'étais en contact avec la communauté juive. Je suis intervenu à les défendre lorsque, je pense, en juin 1943, un groupe de miliciens de Vichy était venu pour déporter 12 ou 13 des juifs plus éminents. Je suis intervenu avec un soldat et je leur dis, messieurs, vous ici n'avez rien à faire, parce que ici c'est zone italienne, alors vous dérangez tout de suite. Mais on va déporter les Juifs. Non, 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 vous ne déportez personne. Je vous donne 5 minutes pour déranger. Et dans ce moment, j'ai eu mes soldats qui mettent la balle dans le canon de fusil. Et alors les autres ont regardé et depuis, on dit, ah bien, dietro front, ils sont partis. Alors j'avais déjà, la communauté juive savait qu'en nous, elle avait des protecteurs. À Saint-Gervais, à Megève et dans d'autres villages de la zone italienne, il y a eu des incidents similaires. Harry Burger, jeune juif de 19 ans à l'époque, interné dans un camp à Sospel, en témoigne. After 2 months of internment in the camp, one morning we came down to go to breakfast. I already had started to speak Italian at that point, because I was hanging around with the soldiers. And one of them took me aside and says, don't go out now, there's trouble outside. And I peeked out the little window and I saw at the other side of the entrance gate, two tanks of the SS lined up. Two trucks, each one had about 20 or 25 SS soldiers on it. They were lined up with machine guns. They had bazookas. They had all kinds of equipment that I never heard of. And they were lined up and they demanded from the Italians to surrender all the Jewish inmates immediately. And of course the Italians said, no, we can't do this. So they lined up their little guys with the little tanks and the little bazookas, and they were so little by comparison. And the others were so frightening, and the Italians were so cute, you know. And they were lined up and they were going to give them a fight. And that the incredible thing happened. It was a standoff for about maybe 20 minutes. And the Nazis packed it up and left. Les Italiens se sont opposés, on peut dire, par la pression militaire directe à Annecy. En encerclant la caserne de gendarmerie où des Juifs avaient été arrêtés en février 1943. À Paris, il y avait eu un attentat contre deux officiers de la Luftwaffe et 2000 hommes juifs devaient être arrêtés pour être déportés dans le territoire de l'ancienne zone libre. We were occupied by the Italians, which was the best thing that ever happened to us. Ils étaient vraiment gentils. Let me say one thing about Italians. They were pussycats. Pendant que des dizaines de milliers de Juifs trouvent un répit dans la zone italienne, ailleurs, la destruction des Juifs d'Europe, la Shoah, continue. Thank you.
Ben, ils avaient la synagogue, je ne me souviens plus de la villa, si c'est les Pères Vinches ou sur la route du Bourréon. Il y avait aussi une école juive, ainsi que l'ORT, organisation juive dédiée à la formation professionnelle. So, and we could, even they put our ORT school, can you imagine? So really, I don't know, and I went there, because I went to the ORT school in Nice. And so I wanted to go on in the ORT school in Saint-Martin, but that was just for a few months that they had to close it. I mean, we become really friendly with the people of Saint-Martin, and I cannot remember really having a bad time there. Do you remember a woman called Carmen who worked in the bakery? Yes. Tell us about Carmen. Well, it was she was not a woman, she was a girl our age. And everybody was in love with her. Everybody, you talk Carmen, oh, she's my girlfriend. Ah, she cannot be your girlfriend because she's my girlfriend. I mean, Carmen went around in the population of the teenagers. It was, and I think she was a daughter of the baker. And in this town, there's one or two bakeries, so you cannot miss Carmen. J'étais vendeuse à peine. J'étais pas la propriétaire de la boulangerie. Mais ça fait rien, je pochais des tickets, je leur en donnais à tous. Elle était sensationnelle, cette fille. Elle nous organisait tout le temps des sorties, des bals. Tout le temps avec les Juifs et les jeunes d'ici, hein, tous ensemble. Ils allaient danser tout le temps. Il y avait une grange, ils avaient un phonographe et ils dansaient ensemble, les jeunes Juifs avec les jeunes de Saint-Martin. Hein. C'était le beau temps, hein. C'était merveilleux. Hein. Et ils allaient danser le soir avec mon frère, avec Jacques. Les amis. Ah non, non. Mais il avait 18 ans et moi 20 ans. Hein. C'est aussi grâce à elle que je suis là. Voilà. Parce que s'il n'y a pas maman, il n'y a pas moi. Merci Carmen. Non, c'était le bon temps. Were your parents worried at all? My parents were always worried. My dad always was seeing things in the future, you know. Sometimes good, sometimes not so good. But he said, we are not finished with him until we are finished. Because we don't know, he said always, we don't know what this mamza has in his head. And this is for the Jews, he will come wherever we are. Le père de Sigi a hélas vu juste. En Italie, le débarquement des Alliés entraîne la chute et l'arrestation de Mussolini le 25 juillet. Le maréchal Badoglio est nommé chef du gouvernement et des négociations sont entamées avec le chef des forces alliées, le général américain Eisenhower. Début août 1943, les autorités italiennes préviennent les œuvres juives que l'armistice est imminent et que, on ne sait pas quand d'ailleurs, mais qu'elles vont se retirer. Les Juifs sont très préoccupés de leur destin. Mon père s'appelait Federico Strobino. Et c'était un des officiers d'occupation, un des responsables. Il avait fait un petit journal avec des dates. 8 septembre, 20h30. Finalement, la nouvelle arrive. L'Italie a demandé l'armistice. On parle de paix sans condition et de lutte avec des Allemands. L'8 settembre, io mi trovavo all'Hotel des Alpes. Sentiamo ovviamente la voce registrata di Badoglio. Il governo italiano, riconosciuta la impossibilità di continuare la impari lotta
contro la soverchiante potenza avversaria, ha chiesto un armistizio al generale Eisenhower. E immediatamente un'esplosione di gioia da parte di tutti. In quel momento ci siamo un comportamento di folle pazzia, di esaltazione in generale. Però non sapevamo che cosa fare. Indubbiamente degli ordini precisi non li abbiamo avuti. E dal programma si capiva soltanto una cosa, che la guerra era finita, che gli anglo-americani non erano più nostri nemici, che i nostri amici non erano più amici. Cioè, in poche parole, i tedeschi potevano essere in quel momento, da quel momento, dei nemici potenziali. This is General Dwight D. Eisenhower, Commander-in-Chief of the Allied Force. The Italian government has surrendered its armed forces unconditionally. Riesco a mettermi in contatto col comitato ebraico e organizziamo in qualche modo questa fuga. Ovviamente nel frattempo molti erano già fuggiti attraverso da altri passi. Comunque, nella sera dello stesso giorno riesco a raccogliere ai piedi della salita che poi conduceva, ovviamente che conduce al colle di Ciriegia, una massa di ebrei che io potrei valutare a circa 400 persone. 9 settembre, 11 heures. Fuite précipitée, danger allemand. 21 heures. Je peux rentrer à Saint-Martin en voiture. Je préviens R de la possibilité de fuir en Italie. On a le témoignage du lieutenant Strobino qui redescend à Saint-Martin dans la nuit du 9 au 10 septembre pour essayer d'inciter vraiment tous les résidents forcés à les rejoindre soit par fenêtre, soit par cerise. Strobino savait que les Allemands marchaient sur Saint-Martin, mais ce que ni lui ni les réfugiés ne pouvaient savoir, les communications étant coupées, c'était que les Allemands commençaient à occuper le nord et le centre de l'Italie. Traverser le col de Cerise, ce n'est pas facile. Il y avait beaucoup de femmes, des enfants. Même des enfants en bas âge que mes soldats portaient sur les bras. Et parmi eux, une femme enceinte aussi. C'est ce que m'a raconté mon père. Il n'avait pas de chaussures de montagne. Alors quand on sait, pour l'avoir fait le col de Cerise, la difficulté que ça représente, en temps normal, mais alors en hiver, par des gens qui sont mal chaussés, qui ont des enfants à porter, qui ont des femmes enceintes. Donc, difficulté au maximum. Pour des gens qui n'étaient pas entraînés, en marche, qui venaient de passer des bons moments sur Saint-Martin-Vésubie, mais puis du jour au lendemain, comme ça, ça a été un exode. Donc, partir en catastrophe comme ça, c'est horrible. Ils ont dit, suivez-nous, sinon ils vous tueront les Allemands. Know as long as the Italian were there, we are safe. But we didn't know the Italian will leave so fast. On nous a dit les Allemands arrivent, les Italiens nous ont dit venez avec nous, on part en Italie, on s'en va. Et comme ils ont dit on s'en va, on les a suivis, on est parti avec eux. We didn't know how long we're gonna go, how far we're gonna go. All we know is we wanted to go to Italy, and we thought since the armistice was signed, that Italy would be occupied by the Allies. We were so close to the Italian border, we figured that if you cross the border, you would find the Allies. The commandant came out and told everybody that if you want to be safe, I can only tell you, if you want to go over the border, we won't stop you. And the faster, the better. We thought already, freedom. We thought this was the end. We just followed one or the other. We left Saint-Martin
at a moment's notice, we grabbed whatever we could take and carried it on our backs. And we went on the march. We had no way to know where we were going. We just followed the people in front of us. I was wearing a pair of boots made out of an old pair of shoes. Leather sole was cut off and a wooden sole was put underneath. And it certainly was no way to climb a mountain. We weren't dressed. We were in sandals. We were in summer clothes. We didn't have anything. Shoes were torn. Some people had to go barefoot. We walked, we walked, we walked. The second night, we slept with some Italian soldiers in their barracks, and they made some soup for us. I remember that. And they made a big pot of soup for everybody. Ho trovato la grande massa dei profughi ebrei. Allora ho dato subito ordine che noi cedessimo alle donne incinte o ai vecchi i nostri posti per dormire e che gli dessimo da mangiare in qualche modo. E allora io in quel momento mi sono trovato in una terribile situazione, perché ho pensato: se in questo momento mi arrivano addosso i tedeschi, io questa gente non l'abbandono. Comunque, per incoraggiare questi, ho piazzato una mitragliatrice sulla strada in modo che loro capissero che io ero pronto a aprire il fuoco contro i tedeschi se arrivavano, no? Je n'ai jamais vu mon père pleurer, mais là, il y avait des larmes quand il expliquait les femmes enceintes, les enfants qui devaient passer le col par des températures abominables, où il était obligé de leur fabriquer des bottes, attacher des couvertures aux pieds pour qu'ils puissent marcher un peu plus confortablement. When we were on the highest point and we looked down, it was like a long snake, you know, pulling his way up a hill. As far as you could see up the mountain was like people walking, and people kept falling back because it was a high climb. And then on the roadside, left baggage and stuff, you know, people just left everything, tried to walk. And I remember we went down a few times to help people who had children, and it was tough to go. My grandmother could not make it. She couldn't walk well. So, I mean, you had to walk over the mountains. It's a treacherous walk. The pathways were very narrow. The stones were falling. We were afraid of an avalanche of stones coming down. And what I heard also was that people went back. People went back to San Martin. They said, I cannot. Whatever will be, but I cannot climb the mountain. Une partie des réfugiés est retournée en arrière, et l'autre n'a jamais quitté San Martin. Ceux qui étaient restés à Saint-Martin, certains disent, que voulez-vous que les Allemands ou même les SS nous fassent? On est des vieux, vous croyez qu'ils vont nous molester, etc. On n'est pas un danger pour eux. Hein, on est incapable de tenir un fusil ou autre. Mais ils n'avaient pas intériorisé des choses que d'autres avaient su et avaient déjà colportées pendant l'été 43 sur ce qui se passait en Pologne. Parmi ceux qui sont restés à Saint-Martin et dans les environs, une quarantaine ont été arrêtés et déportés par les Allemands. Il n'y a pas que des personnes âgées. After we arrived in one place where we could see a village on the bottom, we didn't know if it was Italy. Maybe we ran in circles and we are back in France. Ziggy est bien arrivé dans la région du Piémont en Italie, comme la plupart des réfugiés qui ont quitté Saint-Martin. Naturalmente anche qui abbiamo avuto il triste passaggio delle truppe tedesche. La comunità di Cuneo ha avuto una triste esperienza, l'esperienza di accogliere
1200 ebrei reduci dalla residence forcée di Saint-Martin-Vésubie e 1200 ebrei sono arrivati nelle nostre valli e precisamente a Borgo San Dalmazzo, 8 km da Cuneo. Su 1200 ebrei sono stati presi e messi in un campo di concentramento 357 ebrei, dei quali sono tornati in 18. Gli altri sono morti ad Auschwitz. And there followed one of the most intense periods of arrests and deportation of any of Western European history of the Final Solution. In September 1943, there was this dreadful transformation of the situation when Italy leaves the war. Ricordo che quella sera d'autunno era umido, piovigginava, e siamo stati invasi da circa 900 ebrei, circa, io adesso il numero preciso non lo so. Quand nous sommes arrivés donc à ce village de Valdieri, il y avait des grandes affiches qu'il fallait immédiatement se présenter. The Germans had posted notes on the street that all foreigners, they didn't say Jews, had to report in a caserma degli Alpini before a certain time on September 16, 1943. Se non si presentavano li avrebbero uccisi e avrebbero anche uccisi coloro che gli davano l'ospitalità. Ceux qui ont eu la naïveté ou qui étaient épuisés, exténués avec des enfants, des bébés, qui ont fait cette marche, qui n'en pouvaient plus, ils se sont présentés immédiatement. Ils étaient arrêtés et envoyés vers le camp de Borgo San Dalmazzo, où on les a déportés. Qualcuno ha deciso di andare in giù liberamente. La nostra gente diceva, ma fermatevi, noi vi salviamo. E quelli dicevano, ma no, se noi ci fermiamo qui, non solo portiamo noi le conseguenze dolorose del fermarsi, perché poi arrivano i tedeschi, ma anche voi. E allora hanno deciso di presentarsi in caserma. We didn't know what to do. We did not want to endanger our hosts. And we finally decided to report to the caserma degli Alpini, which turned out to be a make-up concentration camp. Dovevo prendermi cura anche di quelli nella caserma, nel campo di concentramento. Andare in caserma veramente avevo un po' paura, anche se ero molto coraggioso, avevo paura di essere arrestato perché ero ricercato. Da lì arrivavano fondi, carte false, documenti. Lì, nella curia di Genova, periodicamente Don Viale prendeva il treno, partiva da Borgo San Dalmazzo, mettendo a repentaglio la sua esistenza, fare allora un viaggio di quella natura tra Borgo San Dalmazzo e Genova, andava, trovava i fondi, trovava i documenti falsi, ripartiva, ritornava a Borgo e smistava queste cose ai curati, ai parroci di campagna, alle persone con cui aveva stabilito una rete di solidarietà capillare. E quando l'arcivescovo mi disse di fare un'assistenza morale, io un po' umoristicamente gli ho detto, ma si tratta di ebrei, assistenza morale, quelli avranno fame, quelli non avranno soldi, avranno bisogno di ben altro, anche l'assistenza morale, certo, per tenerli su di spirito. A Valdieri, e noi tout de suite la consigne, la forêt, la montagne.
Et nous sommes arrivés donc en montant, en pleine nuit, dans une petite grotte où il y avait un couple de paysans. Et ils nous ont accueillis avec beaucoup de chaleur. Et tout de suite, ils nous ont donné de la soupe pour nous réchauffer. Et ils ont dit, vous pouvez rester ici, on va vous installer dans l'étable. De ma vie, je n'avais pas rencontré autant de pauvreté et autant de misère. Et molte persone locali, in modo particolare la gente povera delle montagne, hanno aiutato senza condizioni, perché avrebbero potuto venderli, avrebbero potuto farli arrestare. Naturalmente c'è stato quello che ne ha approfittato, che si è fatto pagare per essere nascosto, ma sono tutte cose che si possono capire. Non si capisce e si... E possiamo dirlo senza tema di errore, che ha venduto un ebreo per 5.000 lire dall'ora, e quanti casi in Italia ci sono stati, merita merita l'offesa dell'uomo. Pendant 20 mois, jusqu'à la fin de la guerre, juifs italiens et étrangers sont traqués sans merci et envoyés dans les camps d'extermination par les nazis et leurs alliés fascistes. Mussolini, libéré par les Allemands, a recréé un État à la solde des nazis dans le nord de l'Italie, la République de Salo. Ceux qui aident les Juifs mettent leur vie en danger. Noi altri siamo andati su, abbiamo trovato quella bambina, era seduta là, al collo. Davanti a una baita. Davanti a una baita, la baita era rotta, non aveva il coperto, non andava più perché il padrone era partito. Noi altri non ci abbiamo parlato, ma abbiamo visto che c'era gente dentro quel casolare, c'era ancora gente, ma noi altri non siamo andati in fuori, siamo subito venuti a prendere da mangiare, perché io ci ho detto a mia sorella, andiamo a prendere un po' da mangiare, questa gente qua hanno fame, era bianca come così. E allora siamo venuti, ci abbiamo portato su, mamma aveva il pane, ci abbiamo portato su il latte bollito e dopo siamo andati su perché ma non volevamo che nessuno vedesse tanto perché sa bene. E avete trovato questa bambina, questa famiglia, chi erano? Erano gli ebrei. Sì, ma quanti erano? Sette. E avevamo paura. Aspetta. E andavamo su tutti i giorni. E certe volte di sera andavamo a prendere quella bambina, la portavamo a dormire nella nostra stalla. E un giorno sono venuti i tedeschi, si sono scappati. Papà li ha portati in una baita vicino a un burrone. La nostra baita, la baita c'è. Nella baita del mio nonno. Walter Marx a été sauvé de la déportation du camp de Borgo par Nella Giraudot. This Italian girl that I had befriended in the Cavallo Rosso. Came to see me twice a week and during one of her visits, she told me that she learned that all the inmates of the camp in Borgo San Dalmazzo had been sent away in cattle cars. Walter ne retrouve Nella qu'en 1998, lors de l'inauguration d'une stèle à Borgo, en l'honneur des gens de la vallée qui aidèrent les Juifs de Saint-Martin. Sont aussi présents Enzo Cavaillon et des anciens réfugiés de Saint-Martin, dont Charles Roman. Mi ricordo anche della giovane figlia di un albergatore di Borgo che veniva a visitarmi all'ospedale di Cugno due o tre volte alla settimana.
e che mi ha nascosto dopo la mia uscita dell'ospedale di Cuneo, prima di presentarmi ai partigiani della prima divisione alpina, Giustizia e Libertà, Brigata Valestura, Carlo Roselli. À l'arrivée des Allemands en septembre, Jean-Claude et Cécile Dreymann furent cachés à la gendarmerie, le premier par le gendarme Mangan, sa sœur par le gendarme Fougère. Tu as connu mon père ? Ah oui, j'ai connu ton père, grand, maigre, avec les culottes à la zouave. Ton père, ta mère. Ta mère aussi, qui était gentille. Elle avait 5 ans, 6 ans, et lui, il était bébé. Voilà. Bébé, il marchait quand même. Hein. Il marchait quand même, il trottait. Il avait un gros derrière, mais il marchait quand même. Hein. Il était beau comme tout. Que te dire, qu'on te promenait dans la rue, partout, hein, comme tous les enfants, et que tu devais dire maman à ma mère, pour pas qu'on se fasse attraper. Et ça, c'était très difficile. Voilà, c'était ça, votre maison. Là, on rentrait à cette porte, je crois. La première porte. Voilà. Ton père avait pris des photos là dans ce petit jardin, là, dans cette allée. Voilà. Comme si c'était hier. Oui, même le grillage, il doit être d'époque. Sans doute. Là, là, il y a le mur. La seule photo que j'ai. Et ça, je sais que c'était pris. Je peux te dire tout de suite en quelle année, c'est marqué derrière. C'était pris en mai 43. Eh bien voilà, parce qu'on est arrivé au printemps. Voilà, voilà. Avant qu'il y ait ce fameux jour, c'est voilà, ce jour. Voilà, voilà. Alors, quand Madame Dreymann est partie un soir dans la montagne, avant de partir, elle a apporté à la maison ses deux enfants. Cécile est restée chez nous. Et avant de fermer, elle lui a donné une paire de boucles d'oreilles pour moi, toute petite. Et je voudrais que la boucle soit bouclée et que ce soit Jean-Claude qui les prenne. Voilà, ou Cécile, voilà. Elles sont pour vous, ça vient de votre mère. Et je les ai toujours gardées. Et je vous les donne volontiers parce que je trouve que c'est un cycle qui se ferme. Parce que je vous croyais tellement tous morts. J'ai décidé ça le jour où j'ai su que vous étiez vivants. Pleure pas. Allez. Un millier de juifs, hommes, femmes, enfants, vieillards, aidés par les organisations juives, protégés par l'armée italienne d'occupation, ont connu un répit jusqu'au 8 septembre 1943, jour où s'est déchaînée la haine raciale de l'occupant allemand. Une des motivations de ce film a été ces quelques mots inscrits sur cette stèle. Des mots qui honorent une armée d'occupation, des mots uniques. Une question demeure pourtant. Est-ce que les intentions de l'armée italienne étaient purement humanistes lorsque l'on sait que les Juifs ont été persécutés en Italie dès 1938 et qu'on connaît les atrocités commises par les armées fascistes en Éthiopie, en Yougoslavie et ailleurs contre des partisans et des populations civiles? Lorsque Ribbentrop est intervenu auprès de Mussolini pour lui faire des reproches en ce qui concernait la protection que les Italiens accordaient aux Juifs, eh bien, Mussolini a répondu « c'est la faute de mes généraux, ils ont reçu une éducation humaniste et chrétienne ». I vertici militari italiani non avevano minimamente l'intenzione di organizzare politiche di salvataggio umanitario degli ebrei.
Ciò non significa che essi consegnarono. Non c'è mai stata una riunione in cui i comandanti e le autorità italiane predisponessero un piano di salvataggio. Non era neanche possibile immaginarlo. È realistico farlo. È esistito un atteggiamento genericamente ben disposto. Atti di militari italiani, decisioni coraggiose di alcuni militari italiani furono prese. Ma un discorso è parlare di atti individuali che possono tranquillamente essere anche considerati come atti di resistenza. Sono in dubbi, ma da lì a pensare che atti individuali di resistenza diventino atti politici di un regime antisemita, su questo punto sono in assoluto disaccordo. It was a complex and difficult situation, this administration of the Italian occupation zone in southeastern France. Because the Vichy regime still had some kinds of jurisdiction, as long as they didn't do anything that contradicted what the Italian occupying forces wanted. Meanwhile, the Germans were just across the Rhone River and watching every move and hoping that Jews would come across, that they could deport the Jews who were under Italian control. The Vichy authorities in southeastern France also wanted to deport those foreign Jews in the Italian zone. And that was primarily because they had promised to deliver certain numbers of Jews to the Germans. Le autorità francesi, per dimostrare che essi avevano completa autorità nei territori francesi, nei territori metropolitani e in Corsica, e che quindi l'autorità degli italiani era nulla. E quando potevano, scavalcavano le autorità italiane prendendo direttamente accordi con i tedeschi. Questo secondo fatto, sia per le autorità politiche a Roma, per Mussolini e per le autorità del Ministero degli Affari Esteri, eccetera, a Roma, sia per le autorità militari in Francia metropolitana, era qualcosa di assolutamente inaccettabile. Perché se si fossero piegati a questa logica, avrebbero perso proprio la loro autorità nei confronti delle popolazioni occupate. E quindi mantenere l'ordine e la sicurezza nei territori militarmente occupati sarebbe diventato assolutamente impossibile. The war was winding down. It appeared that the Germans and their Italian allies were not going to win the war. Italian diplomats and military personnel didn't want to have the burden of the deportations on their record, not just their consciences, but on their actual career records. They knew by this time what deportation meant, and they didn't want to have anything to do with it. Si les raisons du comportement des Italiens sont complexes et que l'humanisme n'était probablement pas leur seule motivation, ils ont démontré qu'on peut toujours résister, en l'occurrence face aux pressions du puissant allié nazi et du gouvernement de Vichy. La résistance des milliers de gens anonymes qui ont aidé les Juifs traqués, souvent au risque de leur vie, l'a aussi démontré. Ma famille faisait partie de ces Juifs traqués. Partis de Belgique pour essayer de rejoindre la Suisse, ils ont été arrêtés par des gendarmes français et envoyés dans un camp français. Toutefois, ils ont réussi à rejoindre Saint-Martin et ensuite suivre les troupes italiennes. Moi, j'avais 3 mois. Cette histoire m'a accompagné toute ma vie, ainsi que la bienveillance des Italiens des deux côtés des Alpes. Grâce à cette bienveillance, 65 ans après, j'étais encore là pour faire la marche de la mémoire.